Attends, j'ai pas entendu, je dois aller sur le truc, c'est ça? Hello, hello! Bonsoir. Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez? Salut. Yes. Est-ce que vous nous voyez? Ah, super, nickel. Parfait. Bon, bah alors, c'est super, ça fait plaisir de revenir sur notre petit plateau virtuel. Merci à Pulse, bien sûr, de host l'événement. Du coup, moi, rapidement, je suis Solène de Masterclass DJ, donc je m'occupe de cette plateforme pour former les futurs DJ de demain. On fait des formations concernant le mix, mais aussi la compo. On a une nouvelle formation qui va sortir à la rentrée en compo, donc on a hâte qu'elle sorte. Bonsoir à tous ceux du chat, c'est génial. Bonsoir du coup à vous les garçons, puisque ce soir on va parler label. Donc je suis accompagnée de Alexandre de Across Records, Maxence du coup, alias Xense. Et du coup, Nathan du label Kiss and Ride. Salut. Est-ce que ça va les garçons? Est-ce que vous êtes chauds pour ce soir? Ouais, grave. Ouais, carrément. Ah. Ouais. J'espère que vous allez nous apprendre plein de trucs concernant les labels, que vous allez partager vos expériences. Dans le chat, n'hésitez pas à réagir, à nous dire si vous êtes DJ, si vous travaillez avec un label, si vous êtes totalement indépendant et autonome. Ça sera vraiment. On est là pour échanger et pour que tout le monde apprenne plein de trucs. Alors, déjà, on va faire un petit. Peut-être un petit point, je ne sais pas, avant de commencer. Au niveau label, tout ça, maison de disque, en France, on parle bien évidemment, le monde de la musique, il est immense. On a notamment trois énormes maisons de disques dans le monde que vous connaissez forcément, Universal, Warner et Sony. Donc qui sont qu'on peut imaginer un petit peu comme des immeubles immenses, et chaque étage serait un label, puisque dans une même maison de disques on a différents labels et énormément d'artistes aux univers différents. Donc c'est un peu, nous on va parler des étages, donc des labels. Du coup, concernant les labels de hardstyle, vous les connaissez tous, on va pas tous les énumérer hein, sinon ça serait un peu long, mais bon. Q Dance Records, Scantrax, We Are Our Style, tout ça. Enfin, Dirty Wax pour côté belge. Et en France, on en a de plus en plus. Ça fait plaisir, ça montre que le hardstyle est de plus en plus présent en France. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Avec des nouveaux labels qui se sont créés il y a peu. D'autres plus anciens également, comme je pense à Hardcore France, etc. Mais voilà, en tout cas, les garçons, vous allez pouvoir nous parler de ça ce soir. Et moi, j'ai hâte. Du coup, je vais commencer par un petit tour de table pour que vous présentiez. Allez, on va commencer par toi, Alex. Mmh. Qui es-tu et que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Ça, on ne le sait pas. Non, plus sérieusement, je suis donc le label manager de Across Records. Et je compose aussi de la musique depuis 10 ans sous l'alias Devotion, si on le dit à l'anglaise. Devotion, allez. Avec l'accent, le petit accent franglish. Sinon, que dire, voilà, grosso modo, les deux titres entre guillemets que j'ai. Donc, d'accord. Et tu as fait donc, pour ton côté DJ une dernière collab avec Difference, c'est bien ça? Oui. Donc toi, t'es plus hardstyle, hein, c'est ça? Clairement, We Are Style euphorique. Ok. Et donc, ça fait 10 ans que tu fais que tu fais du son. Oui. Et t'as été dans des labels, etc. Oui. J'ai fait pas mal de labels. Au début, avant Devotion, que j'ai créé en 2014, j'avais un ancien alias que Fury a mentionné gracieusement dans le chat. voilà. Non, à cette époque, j'avais sorti des morceaux sur DJs United Records. Ok. Communément appelé DJU, c'était à l'époque un label italien qui était dirigé par Brent Kicker. Ensuite, j'ai sorti des morceaux chez Invaders Records, ensuite chez X-Bone. Okay. Et après, j'ai décidé de quitter X-Bone et de créer justement Across Records pour me challenger un peu plus. D'accord, ok. Et c'est un projet qui te plaît que... Oh oui. Que tu fais tout seul? Tu es tout seul derrière ce label? Alors... Oui et non. Sur la partie label, oui, mais il faut savoir que Across Records, en fait, est lié à la structure
L'association Across, pardon. Donc, Ouais. c'est une association d'organisation d'événements depuis 2006, dans le Grand Est. Et le projet est venu, en fait, ça faisait un moment que ça me taraudait de manager, de manager tout simplement des artistes, de créer mon propre truc et de faire ça un peu à ma façon, entre guillemets, que les artistes puissent être gérés par un label comme moi j'aurais voulu l'être en fait dans le passé. Et ça a maturé dans ma tête, j'ai préparé ça pendant des mois, que ce soit en termes de, déjà bah, de gérer le point de vue mastering, mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard, je pense, dans le fonctionnement d'un label. Enfin, voilà, toutes les étapes dans la gestion d'un label, je les ai construites une par une pour enfin dévoiler le truc, quoi. Donc c'est apparu début 2019, pardon, de t'avoir. Début 2019, Bah, tu vas nous raconter tout ça en détail un peu Oui. plus tard. Génial. Et du coup, toi, Xens, bah, tu es plus connu sous ce nom-là, mais bon, on va t'appeler Maxence ce soir. Hein, C'est mieux, oui. alors, toi, ça fait également de nombreuses années que tu es sur la scène du hardstyle français. Comment tu as commencé? Tu veux dire avec Sense ou en Avec général? Xens, vas-y. J'étais en duo avant, mais je voulais vraiment continuer mon truc solo. Et fin 2015, j'ai trouvé le nom Sense. D'ailleurs, c'est un pote à moi qui m'avait aidé pour ça. D'accord. Et après, voilà, j'ai fait de la musique pendant tout l'hiver de fin 2015, enfin de l'été 2015 à fin 2015. Et après, j'ai rencontré des personnes sur mon petit TeamSpeak qui était Energized et une personne qui bossait chez Scantrax. OK, Et lourd. ouais, c'était super lourd. Et je pensais que c'était le moment de montrer un peu ma musique. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, tu devrais l'envoyer à Xbone parce que je pense qu'il prendrait direct. Et je ne l'ai pas fait, manque de courage. Donc c'est personnel, hein, évidemment. Mais comment? Après voilà, la personne qui postait chez Scantrax a envoyé la track que je leur avais envoyée. Et Scantrax m'a envoyé un email et ensuite c'était parti, quoi. Incroyable. Incroyable, C'est-à-dire que ouais. la personne croyait tellement en toi qu'elle a dit boum, je l'envoie sans même te le dire, quoi. C'est ça. Et puis surtout, dans cette époque-là, je pense que Alex peut confirmer, c'était l'époque où Xbone signait beaucoup, beaucoup de talents, en fait. Et du coup, ils étaient vraiment en recherche et ils m'ont pris avec eux, quoi. Tout simplement. D'accord. Ah, c'est vrai qu'on est arrivé en même temps chez Xbox quasiment à quelques mois après. Ouais, c'est ça, ouais. Incroyable ça. Exactement, ouais. D'accord. Et du coup, désormais, t'es plutôt chez G-Ray Tracks et Loose Control Music, c'est bien ça? C'est ça, ouais. En fait, ces deux labels-là sont managés par Be Yourself. Et Be Yourself, en fait, c'est Art of Creation, c'est We Are, I Am Our Style, Loose Control et Direct. C'est une grosse organisation. Et ouais, je suis avec eux maintenant. Du coup, côté Wild Style, tout ça. C'est ça, ouais. Bah après, au niveau du réseau, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Mais Ah bah ouais, clairement. voilà quoi. Ouais. Bah, tu nous parleras tous de enfin, on rentrera dans les détails un peu plus tard, mais en tout cas, merci de ta présentation. Et du coup, toi, Nathan, on va terminer avec toi. Yes. Qui es-tu? Que fais-tu? Et qui est Kissenride? Qu'est-ce que c'est? Alors, donc moi je m'occupe de Kissenride qu'on vient de lancer tout récemment là au mois d'avril si je me trompe pas. Donc c'est un projet qu'on a lancé avec Hardpulse. Et avant ça, je m'occupais depuis 2 ans d'Invaders Records, voilà, que j'ai arrêté en janvier à peu près. Et j'ai arrêté parce que justement, je voulais lancer un nouveau label, je voulais créer un nouveau projet de zéro avec une nouvelle vision et des nouveaux artistes. Et c'est là qu'est né. J'ai proposé ce projet à Franck et PL et ils ont accepté. On a lancé ça du coup. Et du coup, ça roulait. Du coup, tu gères tout seul ou ils sont là en soutien, bien Ils sûr? sont là en soutien, on donne beaucoup de conseils. PL met sur des trucs. Après, ouais, globalement, je gère tout seul. Ils ont déjà beaucoup de boulot avec Hardpulse. Ils peuvent pas tout faire forcément. Mais On leur fait un dès petit que. coucou d'ailleurs. Ouais, carrément. Mais ils m'aident dès que j'ai une question, machin, ou j'ai besoin d'un service, machin. Ils sont là tout le temps. Donc, c'est cool. Et du coup, là, depuis avril, vous avez à peu près combien d'artistes du coup? Parce que c'est. Ça Alors, on prend a du temps commencé quand assez même, tout lentement. ça. Là, on a commencé ouais, lentement. On a peut-être 4 releases. Mais là, on va faire. Sur le mois d'août, on va rien sortir. On prépare les prochaines. Et pour septembre, on va en sortir pas mal. On a peut-être 5, 5, 6 qui sont prévus. Donc, on commence lentement, mais sûrement, quoi. Bah, c'est bien, vous avez bien raison.
Alors, si vous êtes chaud, les gars, on va faire un petit truc que j'aime bien faire sur, sur Masterclass. On va faire un « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord ». C'est-à-dire que je vais vous donner une phrase et vous allez me donner votre point de vue, chacun à votre tour, et en réagissant bien évidemment au point de vue des autres. Sur le chat, pareil, n'hésitez pas à réagir pour donner votre avis, et si vous êtes DJ, si vous êtes sous un label. On est là pour réagir, pour interagir tous ensemble toute la soirée, donc n'hésitez pas. Alors, pour commencer, pour signer chez un label, il faut un profil unique et des tracks novatrices. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui commence ? Qui commence ? Qui se dévoue ? Moi, je dirais qu'on fait en ordre alphabétique. Donc, Alex, moi et Nathan. Pour le coup. Allez, c'est parti. D'accord. C'était quoi la question ? en gros, pour signer un label, il faut avoir un profil atypique, on va dire, et des tracks novatrices. Ah oui, d'accord. Oui, oui et non. En fait, oui et non. Ça dépend déjà du label, de ce qu'il a envie de mettre en avant et de faire. Parce qu'on peut avoir des très bons morceaux qui ne sont pas novateurs. À l'inverse, de très mauvais morceaux qui essayent là, d'innover, mais au final, ça prend pas. Évidemment... J'ai envie de dire, évidemment, oui, c'est toujours mieux d'avoir sa touche, sa signature, d'essayer d'innover, de créer ses propres sons, et son univers surtout. Mmh. C'est comme ça que je vois la chose. Mais il y a des artistes qui ne sont pas forcément, on va dire, novateurs à proprement dit, mais qui ont des univers vraiment à eux et qui sont excellents. Ah, totalement. Qui font une très bonne carrière. Et pour être signé chez Across, mm-hmm. est-ce qu'il faut avoir des tracks un peu novatrices, un univers bien particulier ou pas ? J'ai envie de dire des tracks novatrices, pas forcément, mais par contre un univers, enfin, de l'émotion, de la mélodie, enfin de la musique en fait, tout simplement. Ouais. Nous on veut de la musique, pas juste. Du bon. Bah, je vais prendre l'exemple de Maxence qui en a fait une vidéo là-dessus. Ne pas faire des tracks, mais faire de la musique. Tout simplement, nous c'est ce qu'on recherche, c'est vrai qu'on est plus axé euphorique. Mmh. Donc voilà, c'est un peu notre ligne conductrice. Du coup, toi Maxence, t'es assez d'accord avec ça ? Moi je suis pas d'accord parce que bah, de base, déjà, un talent ne pense pas au profil directement. Il va penser à sa musique avant son profil. Mmh. Du coup, il n'y a pas, cette histoire de profil atypique quand tu commences en fait. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, des tracks novatrices, non. Parce que moi, pour checker tout ce qui se passe dans les labels et tout, ce qui signe, non, c'est pas tout le temps novateur. Et voilà. Non, je pense pas, je suis pas d'accord avec ça, en tout cas. Mais c'est vrai que ça me fait penser à une track que tu as fait, Welcome to My World. Ça pas forcément non plus. Comment dire ? Tu restes pas forcément sur des. Enfin, ça peut être différent de ce que le label peut sortir lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, totalement. L'univers est propre à ton monde, à toi. Et, Je pense que c'est ce qu'un label aime le plus, en fait. C'est qu'un artiste développe son univers, comme Alex l'a dit. Et ensuite, voilà, espérons que ça prenne, quoi. Mm-hmm. Exactement. Et toi, du coup, Nathan, tu serais plutôt d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'il faut que ce soit absolument novateur ? Alors non, pas du tout, c'est pas obligatoirement, mais si ça l'est, forcément c'est un gros plus, ça va forcément intéresser. Le label, il va se donner aussi plus les moyens de faire les choses bien pour l'artiste et de le pousser. Après non, on voit dans la scène aussi, elle est formatée, donc les labels, ils vont aussi chercher des choses qui rentrent dans le moule, qui sont standards. C'est donc, ça. Donc ça c'est clair, mais bien sûr, si on vient à quelque chose d'unique, c'est forcément un plus. Ça c'est sûr et certain. Mmh. Je vois que Xpander nous pose une question. Est-ce que les labels français sont ouverts aux étrangers ? Je pense qu'on peut lui répondre maintenant. Vous en pensez quoi ? Oui, totalement, oui. Ouais, totalement. Bah, Max, c'est bien passé pour en parler, je pense. On en avait sur Invaders et là, même sur Kissan Raid, on a sorti une musique de Terror Weapon qui est chilien. Donc oui, totalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On essaie vraiment de développer la scène française, ça c'est sûr, on se concentre aussi là-dessus. Mais on ne dit pas non sur des sorties internationales. Au contraire, on trouve ça cool, justement. Tu es d'accord avec ça, Alex, aussi ? Vous êtes aussi ouvert aux talents
Bah justement, oui, nous, on a même plus d'artistes internationaux que français à l'heure actuelle. D'accord, vous avez... Ouais. Vas-y. Excuse-moi, vas-y. Oui, donc je disais, on a plus d'artistes internationaux. En artistes français, c'est vrai qu'on en a deux, trois. C'est peu par rapport à une douzaine où la majorité Ouais. sont... Enfin, on est très internationalisé niveau artiste. D'accord. Et c'est une force aussi parce que du coup, il y a des univers différents, des cultures différentes. C'est ce qui fait un petit peu évoluer le label, peut-être à un niveau supérieur, je ne sais pas. Niveau supérieur, peut-être, je sais pas. Mais artistiquement, oui. Dans le sens où c'est vrai que je prends des exemples. On a Imperialite qui est d'Amérique du Sud, qui a une touche extrêmement latine en fait dans ses morceaux, extrêmement mélodique, et ça se ressent en fait. On a aussi par exemple Bill Evans qui est aux États-Unis, qui a un style aussi bien à lui. Là, on vient de signer un jeune indonésien. Génial. Non, mais on a des artistes d'un petit peu partout et c'est génial en fait de travailler avec ces gens-là. Ouais, c'est clair. Oui, et puis ça permet aussi de toucher un nouveau public aussi qu'on n'a pas, un public étranger, quoi. Exactement. Ça, c'est cool. Exactement. Et du coup, chez côté Across, du coup, vous comptez combien à peu près d'artistes? Alors, à l'heure actuelle, on a un noyau d'une douzaine d'artistes qui sont, on D'accord. va dire, très fidèles, enfin récurrents. Après, il y a d'autres artistes qui viennent se greffer par des collaborations ou là qui vont arriver avec des nouvelles démos, etc. Mais vraiment, D'accord. le noyau dur est représenté par une douzaine d'artistes. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors, on va passer à la seconde affirmation. Signer chez un label, c'est la fin de l'indépendance et la liberté artistique. D'accord ou pas d'accord? Ça, c'est une question difficile, en vrai. Ah. C'est parce que moi, du coup, j'ai les deux points de vue. J'ai été, Oui. enfin, juste, étant donné que je suis, entre guillemets, un artiste et un label. Hyper Donc, intéressant. en tant qu'artiste, j'ai vécu le fait de ne plus être libre dans ma musique, de ne plus être indépendant. Et en créant ce label, j'ai justement eu la volonté de manager ce label comme j'aurais aimé qu'on me manage moi. Donc, c'est une question à deux réponses, un petit peu. Ça dépend de la belle en fait, c'est faut trouver sa place pour être. C'est ça en fait, faut juste trouver sa place. Je prends l'exemple, Toi. je veux pas parler pour Maxence, mais je pense que là chez Loose Control à Ouais. l'actuel, et enfin dans cette maison, il s'épanouit complètement quoi, Ouais, musicalement. c'est ça. Non, totalement, totalement. Donc c'est qu'il a trouvé sa Après, place quoi. je pense que ça dépend des labels, ouais. Je pense qu'il y a des Voilà. labels qui formatent vraiment à leur filtre, qui veulent que tu fites leur branding avant de montrer ton branding à toi. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des labels. Avec Be Yourself, j'ai. Bah, comme tu l'as dit, Solène, avec Welcome to My World, par exemple, qui est totalement différent de ce qui sort, il n'y a pas de souci, quoi. Mais ça dépend des labels, je dirais, ouais. Toi, tu te sens libre artistiquement. Totalement, totalement. Ils m'ont jamais critiqué pour ce que je faisais, ça c'est sûr. Et je pense qu'ils tirent une balle dans le pied, les labels qui font ça, parce que si un artiste se sent contraint avec des barrières, etc., enfin, comment il peut laisser libre cours à sa créativité? Bah, t'as deux exemples concrets dans la scène. T'as Scantrax et Dirty Works. Scantrax, c'est vraiment le truc qui est un peu plus filtré, justement. Il faut que ça rentre dans leur moule. Que Dirty Works, c'est beaucoup plus varié, je dirais, en tant que créativité d'artiste. Et tu vois les deux exemples concrets, ouais, sur la scène. Mais du coup, vous deux, vous aviez signé du coup chez Xbone, qui est issu de chez Scantrax. Ouais. Du coup, quelle était votre expérience du côté Xbone? Est-ce que c'était plus carré? Alors, qui commence? Allez, vas-y. Je veux bien si tu veux, Vas-y. mais je pense que qu'en fait quand tu commences, tu te cherches aussi beaucoup, tu vois, en tant qu'artiste. C'est difficile de répondre à ça en fait, parce que je pense pas. Il y a eu un cadre, clairement. Ils ont eu leur mot à dire, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup de changements sur les tracks, mais après, est-ce que ça te retire ton indépendance complètement? Je suis pas sûr, tu vois. D'accord. Toi, Alex? Alors moi, l'expérience que j'en ai eue, c'était une école formidable d'un point de vue technique en fait. Parce que c'est vrai qu'avec ce genre de structure, on a des feedbacks qui sont absolument, C'est génial, qui sont génial. professionnels. Hein. C'est une entreprise, hein. Xbone, Scantrax, c'est voilà, c'est une entreprise, c'est des pros. Donc forcément, on a la structure derrière qui est ultra carrée avec tous les contrats et tous les feedbacks qui en suivent. Donc ça, là-dessus, c'était une vraie école et un vrai plus. Et de l'autre côté, musicalement,
ça m'a beaucoup, beaucoup touché, dans le sens où j'étais aussi dans une période où je commençais à me tourner vers un autre style, un autre horizon, enfin une autre signature de morceaux, en fait. Et je rentrais plus forcément dans le moule de ce que recherchais. Voilà, parce que chez X-Bone, et c'est pas un mal, enfin, c'est pas un mal, je ne cracherai jamais dessus, mais c'est très formaté, un certain style de hardstyle. Il faut que ce soit très catchy, très vendeur, très... Très commercial, en fait. Très générique, parfois. Et ça ne me correspondait plus. Donc, comme dit, c'est une histoire de trouver sa place là. Au bout de 3 ans, je n'avais plus ma place là-bas et j'ai décidé de ne plus envoyer de démos, voilà, tout simplement. D'accord. Okay. Mais ça a été une expérience qui a été extrêmement enrichissante tout de même, parce que j'ai rencontré des artistes formidables à qui je m'entends toujours, la preuve avec Maxence et d'autres. Et voilà. J'ai eu la chance aussi d'aller dans leur studio, de connaître les gens qui travaillent chez Scantrax et Charstyle.com, et c'était enrichissant. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, toi, Nathan, t'en penses quoi de cette affirmation qui était « Est-ce que ça met fin à l'indépendance artistique et à la liberté ?» J'ai à peu près le même avis. Enfin, j'ai l'impression que tout a été dit, parce que c'est vrai que ça dépend chez qui on signe. Effectivement, chez Scantrax, c'est plus formaté. Et Dirty Works plus libre. Et maintenant, d'ailleurs, on voit la différence. On voit qui est numéro un maintenant. C'est pas du tout Scantrax, c'est Dirty Works. Après, voilà. Effectivement, c'est mieux pour un label de trouver pour un artiste de trouver un label où il garde sa liberté. Mais peut-être qu'il y en a qui se plaît à rentrer dans le moule, parce que peut-être qu'ils ont peur d'être indépendants. Donc, ils veulent se priver un peu de liberté pour pouvoir vraiment trouver un label qui touche aussi vraiment plus de monde, alors que seul, ils ne pourraient pas. Mais ouais, ça dépend vraiment chez qui on signe. Nous, je sais que c'est Kiss & Ride, donc on essaie vraiment de laisser la créativité parler, mais ça nous arrive de donner des feedbacks en se basant sur ce qui se fait dans la scène. Il faut mélanger les deux aussi, quand même. Il faut savoir s'adapter aux standards, mais aussi ne pas oublier, oui, effectivement, cette liberté de créativité. Bah, surtout, c'est surtout le rôle de l'artiste à mélanger les deux, à voir ce qui se passe dans la scène et avoir quand même ton identité. Ça, je pense que c'est vrai que c'est dommage que les labels ont besoin d'intervenir à ça, alors que ça devrait être l'artiste complètement qui devrait penser à ça de base. Ouais. Après, peut-être qu'ils interviennent au début de la formation de l'artiste, si je puis dire, au début, quand il commence. Et c'est exactement ce que Nathan disait. Je veux dire, quand tu commences, c'est vraiment, tu te cherches et c'est difficile. Hein, c'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'ils rentrent plus dans le moule au début, mais à la fin, comme Alex l'a décrit, au bout de 3 ans, il ne se plaisait plus du tout parce qu'il ne voulait plus rentrer dans ce moule-là. Quoi. Et il avait trouvé son truc et voilà. Quoi. Simplement. Yes. D'accord. Merci pour vos retours. Alors, la prochaine, c'est « Il vaut mieux signer chez un seul label que chez plusieurs. » On en pense quoi de la fidélité par rapport à un label ? Allez, vas-y, Nathan. Si t'es chaud. Ok. Signer chez un label ou plusieurs, j'ai pas tellement d'avis. Ça dépend chez qui on signe, j'ai envie de dire. Parce que. Après, je sais pas trop. C'est vrai que si on signe chez Scantrax, je veux dire chez Dirty Works, on n'a pas trop envie de bouger. Puisque c'est quand même eux qui ont le plus de. Qui atteignent le plus de monde à l'heure actuelle. Après, ça peut être pas mal d'aller sur plusieurs labels pour peut-être nier des liens avec d'autres artistes, peut-être qu'on ne touche pas. J'ai du mal à avoir un avis là-dessus. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais... Quel est votre avis, Max ? Moi, je dirais que c'est mieux de signer chez plusieurs labels, parce que, comme Nathan dit, tu vois, tu peux te connecter à beaucoup, beaucoup d'artistes, et surtout, tu peux toucher beaucoup plus d'audience. C'est ça, quoi. Dirty Works ont leur audience, Scantrax aussi, Be Yourself aussi. Et c'est vrai que pour l'artiste, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, moi, je suis beaucoup plus maintenant sur trouver une maison et y rester que m'éparpiller un peu partout. Mmh. Ouais, c'est mieux aussi de se faire suivre par une équipe sur le plus long terme, effectivement. Ouais. Exactement, ouais. Bah déjà, ils apprennent à te connaître, ils te voient évoluer, ils évoluent avec toi. Enfin, c'est un petit peu main dans la main. Après, même si tu as trouvé ta maison, si tu t'entends très bien avec eux et si tu trouves des arrangements, ils te laissent signer autre part aussi. Hein, pour vraiment des cas spécifiques. Quand moi, j'ai des collabs avec Skeptic, par exemple, ça va chez Scantrax en priorité. Quoi.
Et du coup, il n'y a pas de contrat d'exclusivité, de délire comme ça, comme dans les agences de booking ou quoi. Non, c'est du one shot. Quand c'est des collabs comme ça, c'est du one shot. Et voilà, tout simplement. Il n'y a même pas de follow-up derrière ou quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Et toi, du coup, Alex, t'en penses quoi? T'es d'accord? T'es pas d'accord? T'as pas. Positionne pas? Je suis ni d'accord ni pas d'accord. Je dis juste que je reviens en fait à ce que je disais avant. C'est qu'il faut trouver sa place en tant qu'artiste. Alors, trouver sa place, des fois, ça implique qu'il faut faire plusieurs labels, tout simplement. Ouais. Et de toute façon, au bout d'un moment, on se sent bien quelque part et on bouge plus, quoi. Tout simplement. Mais aussi, faire plusieurs labels, c'est aussi une école, comme disait Maxence, déjà pour toucher plus de monde en termes d'audience, mais aussi pour apprendre de différentes façons de travailler, de connaître d'autres artistes et de se faire aussi des contacts, mine de rien. Donc, je vois pas ça comme un côté négatif. Moi, je veux dire, à l'heure actuelle, si un des artistes d'Acros, il dit, tiens, je veux sortir une ou deux tracks là-bas, vas-y, quoi. Ouais. C'est un petit peu se faire de l'expérience dans le monde du travail. C'est la même chose, mais rapporté à la musique, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est on se rôde, on vit plusieurs expériences avant de se caser quelque part, quoi. C'est un peu comme faire de l'intérim avant de trouver le CDI. Ouais. Avant de... Donc, c'est ma vision des choses. Puis, tu as des labels qui ils prennent complètement en charge ton projet. Je pense que c'est le cas, admettons, Sub-Zero. Dirty Work, je pense qu'ils ont créé toute leur identité, tout machin. S'ils avaient parté de label en label, ça aurait été beaucoup plus compliqué, ou ils l'auraient fait eux-mêmes, quoi. Mmh. Voilà, si on signe un contrat en long terme, c'est avec un label, ils prennent vraiment tout en charge, tout le projet artistique. Mmh. Donc, ça peut être en plus. Ok. Alors... il faut signer chez un label français ou étranger pour percer. Oui ou non? Non. Pas d'accord, Alex? En fait, un artiste aura beau signer sur un label parce que son morceau est qualitatif et il aura beau avoir ses morceaux distribués sur toutes les plateformes, si l'artiste ne travaille pas son image, sa communication et son réseau, ça il ne percera pas en fait. Combien d'artistes ont rejoint Skentrax, Dirtyworks, machin, et sont tombés dans l'oubli 2 ans après. Donc, c'est pas le Graal de se faire signer par Skentrax. Non, c'est une étape. Ok, vous êtes d'accord, les garçons? Ouais, moi, je suis d'accord avec Alex. T'as pas besoin d'un label pour percer, mais c'est clairement une étape, ouais. C'est clair que c'est une étape. C'est un tremplin, ouais. On pourrait dire ça. Parce que si ton profil est vraiment sérieux et solide de base, en fait, c'est ça qui va te faire percer. Et le label va être tellement intéressé que... Oui, si t'es bon, quoi, de toute façon. Voilà, c'est ça. Tu fais de la merde, on va vite t'oublier, quoi. Exactement. Ouais, moi, pareil, je pense qu'il y en a qui arrivent très bien à gérer leur projet, à percer sans label, et ils refusent les demandes de label, d'ailleurs. Mais après, je dis que ça dépend aussi des scènes musicales. T'en as certaines où je trouve que le Hearthside, c'est comme une scène très formatée et qui fonctionne énormément avec les labels. Ouais. Alors peut-être d'autres scènes musicales qui s'en foutent un peu des labels, que ce soit par exemple bass music ou machin, c'est des trucs plus perso. Qu'en hard, c'est vraiment très labellisé, comme on va dire, comme scène. Donc ça aide beaucoup. Après, voilà, non, c'est sûr, c'est pas une obligation, mais dans cette scène-là, ça aide plus quand même. Voilà. D'accord. Je suis en train de lire en même temps les commentaires de Xpander qui nous dit qu'il ne faut pas oublier la finalité qui sont les bookings. Du coup, les majeurs travaillent avec des agences. Oui, c'est vrai. Que, oui, forcément, les labels qui travaillent avec les agences, ça ouvre les portes des bookings pour les DJ qui sont dans le label. Effectivement. Ça, je suis entièrement d'accord, mais... Oh, excuse-moi, Maxence, je t'ai coupé. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Bon. Tu peux y aller. J'ai tendance à couper les gens parfois, faut m'excuser. C'est pas volontaire. Non, mais je disais, oui, c'est entièrement vrai ce que dit Valentin. Mais parce qu'il y a toujours un mais. Même dans ce cas de figure où le label prendra vraiment, investira dans l'artiste, si l'artiste s'investit pas en lui-même, ça fera un flop quand même. Et je pense qu'ils prennent en charge les contrats exclusifs. Hein. Ça, c'est des contrats, les mecs ils signent pour 5 ans ou quoi. Hein. Ouais. C'est pas du one shot, hein, qu'on soit clair là-dessus. Ah oui, là, c'est du contrat longue durée. Ouais, ouais. D'accord. Alors, c'est compliqué d'intégrer un label hollandais de hardstyle. Hollandais ou belge. Bah, non. Faux. Non. Faux. La preuve sur ce. Faux. Ouais,
Je suis la preuve vivante que non, quoi. Exactement. Il est la preuve. Mais alors, du coup, toi, tu as réussi à intégrer le label. Tu as connu quelqu'un qui a envoyé ta track à X-Bone et tout. Et du coup, toi, Alex, comment ça s'est passé pour toi? Moi, tout bêtement, j'ai envoyé une démo sur le mail générique de X-Bone et j'ai, par miracle, reçu une réponse favorable en 2015. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, donc, j'ai envie de dire non, c'est pas plus difficile qu'une autre personne. Après, il faut aussi avoir du recul sur soi-même et se dire est-ce que mon morceau peut être release sur ce label? C'est ça, en fait. Si on reçoit une réponse défavorable, il faut savoir se remettre en question. Mais je veux dire, le mec qui écoute la track de l'autre côté, il s'en fout que tu sois néerlandais ou quoi. Parce que il jugera le morceau dans un premier temps, après il ira voir ton image sur les réseaux sociaux. Et si quelqu'un, si un artiste, par exemple beaucoup de DJ, on voit leur son à de nombreux labels hollandais, etc. Et ils se prennent des portes, enfin... J'imagine que ça arrive à de nombreux DJ, peut-être même à vous. Est-ce que on est d'accord que je juge pas forcément la qualité de son travail, c'est pas forcément qu'il a fait de la merde, c'est peut-être que aussi ça correspond pas au label et à l'image du label et à la teneur du label. Oui, mais non à la fois dans le sens où l'artiste, quand il postule sur un label, c'est qu'il sait que sa track peut aller dessus. Je veux dire, moi qui fais de l'euphorique, je ne vais pas postuler chez Gearbox, par exemple. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, tu vois, je vois ça un peu comme ça. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je ne sais pas. Non, je pense que les labels reçoivent beaucoup de démos des mecs qui produisent depuis un an, tu vois. Et ça ne peut, peut pas fonctionner. Ça, ils ne sont pas assez réalistes avec eux-mêmes, en fait, je pense. Exactement. Mais... faut que ça corresponde, quoi, c'est tout. Hein. Faut que ça corresponde hein, avec le label, tout simplement. Et du coup, Nathan, toi, t'en penses quoi? Pareil, ouais, faut que ça corresponde forcément au label, faut que ça réponde un peu aux standards aussi. Mais moi, je pense que quand t'es hollandais, t'es quand même plus favorisé. Tu envoies la même track équivalente entre un français et un hollandais, ils iront plus facilement vers le hollandais, tu vois. Ça, pour moi, c'est quasiment sûr. Ils se sentent un peu. Des fois, certains, je les vois, ils sont un peu sectaires, j'ai l'impression, dans la scène, surtout aux Pays-Bas. Mais après, bien sûr, c'est pas façon de dire que t'es français, t'es blacklisté, ça c'est faux. Et voilà, on en a la preuve ici. Mais je pense que parfois, il y a peut-être une petite réticence. Après, en France, je pense que même si on a de très bons artistes, on n'a pas encore assez fait nos preuves auprès des labels hollandais. Mais ça va venir, là, ça commence à venir. Donc, je pense que si ton boulot est vraiment qualitatif, il ne regarde pas l'origine, en fait. Si t'es vraiment vraiment qualitatif, hein, il faut montrer que tu bosses en fait quoi. Oui, ça c'est sûr. C'est de parce que comme tu dis, moi je trouve aussi que c'est très sectaire. Moi je l'ai vécu aussi et c'est pour ça qu'il faut que tu montres que tu bosses encore plus qu'eux en fait. Tu ouais. vois. Ouais. Et ça c'est ta force en fait. Je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est clair qu'ils sont assez communautaires mais dans un peu tout. Du coup, faut c'est des bosseurs. Hein. C'est vrai que c'est quand même des bosseurs. Ils bossent vraiment. C'est clair. Alors, est-ce qu'on passerait pas à la suivante? Alors, en tant qu'artiste, il faut choisir un label qui corresponde à son univers, à sa fanbase et à son ambition. Je pense qu'on a, enfin, que vous avez un peu répondu, hein. Clairement. On est d'accord. Il vaut mieux avoir une base assez solide dans sa carrière musicale pour signer chez un label. Enfin, du moins pour, du coup, tester. De rentrer chez un label. C'est plus facile. Ouais. C'est plus facile. Moi, quand je suis passé de X-Bone à Be Yourself, ils n'ont pas hésité une minute hein, de me prendre avec eux. Parce que j'avais déjà le profil qui était déjà là. Et du coup, ils ont repris ça et après, voilà quoi. Donc, je pense que ouais, c'est clairement c'est un avantage pour toi, clairement. Et du coup, comment tu as basculé de X-Bone à Be Yourself? Comment tu as intégré ce label? J'avais signé Don't Give Up avec Jerry sur Lose Control. Et du coup, j'ai eu contact avec eux directement. Et mon contrat avec X-Bone se finissait. Et j'ai eu l'expérience comme Alex, tu vois, où je me retrouvais plus vraiment dans ce qu'ils faisaient. Et ils m'ont pas vraiment donné une chance de monter, ce qui m'a forcément déçu, hein, ça c'est sûr. Mais
Beyoncé, on s'était mis d'accord et je me voyais plus avec eux, avec Beyoncé, qui pouvait me faire évoluer en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que j'étais avec eux directement. D'accord. Et du coup, toi, Alex, tu as dit que tu étais d'accord concernant la phrase, ouais. D'accord également. Nathan, tu es aussi d'accord avec ça? Il faut avoir une base solide Ouais, pour s'en sortir totalement, avec. ça aide. Si on vient avec un. Si déjà on a un background, enfin, on a déjà été en d'autres labels et qu'on a en plus un truc propre, c'est sûr. Non, c'est sûr que ça, ils vont apporter plus d'attention là-dessus. Ça, c'est clair. Après, j'ai envie de dire, je dis oui là, mais paradoxalement, chez Akros, on donne plus la chance à un artiste qui n'a encore rien sorti, justement, pour lui donner sa première expérience. C'est comme ça que moi, je voulais fonctionner. C'est vraiment chercher, enfin, trouver le potentiel et l'exploiter. Pour qu'ensuite l'artiste se sente, on va dire qu'il a appris beaucoup de choses, qu'il se sente bien musicalement et qu'il puisse justement aller taper aux grosses portes. C'était clairement le rôle de X-Bone à l'époque, hein, de toute façon. Ouais, clairement. Bon, Bah, à leur façon, hein, par contre, ça. à la façon très hollandaise. C'est ça, c'est ça. C'est le rôle des petits labels en général. Avec Invader, c'était la même chose. De toute façon, chercher les petits talents. Aussi parce que quand tu es un petit label, tu peux pas non plus prétendre à chercher les gros artistes Non, ultra c'est bons. sûr. Mais par exemple, sur Invader, j'avais trouvé Cerzo qui sortait des trucs super cool. Et maintenant, je suis assez content de voir qu'il est chez Dirty Works et qu'il marche bien. Ça, c'était la petite fierté, ça. Très bon talent. Très bon talent, Ah ouais, Cerzo. super bon. Très bien, très bien. Bon, alors, on va passer du coup puisque cette petite animation est terminée, on va passer plutôt à des questions un peu ouvertes. N'hésitez pas, les personnes du chat, à réagir et à nous dire si vous aussi vous êtes en label, si oui, chez qui, comment ça se passe, etc. Pour que on échange là-dessus. Du coup, Alex et toi, Maxence, vous êtes pris des portes par certains labels. Est-ce que vous avez traversé ce moment un peu compliqué comme beaucoup d'artistes? Oh oui, bien sûr, tous les artistes sont pris des portes par des labels. Bien sûr. Mais c'est pour rassurer aussi ceux qui peuvent se prendre des portes ou voilà, se font têche. Comme ça, ils savent que voilà, ça peut arriver. Toi aussi, Max, ça t'est arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé justement. Moi, les gens ont toujours accepté ma musique. Il y a eu des exceptions, par exemple pour des collabs ou quoi, mais ça, je le compte pas vraiment comme une porte parce que c'était un raisonnement logique de leur part. Mais non, non, ça m'est jamais arrivé, vraiment. D'accord. Ok. Pour vous, j'ai une question pour vous tous. Quel est l'avantage s'il y avait un avantage à citer de se faire signer par un label, lequel ce serait? Avoir sa musique distribuée sur toutes les plateformes. C'est, je pense, le premier point. Montrer ta musique à une audience. Je pense que c'est ouais, le gros point positif. Et Ouais. avoir peut-être une équipe qui t'aide à créer aussi une identité. Certains, ils viennent avec aucune identité et on réfléchit toujours à essayer de créer un truc à soi. Ça Ouais, aide aussi. y a une part de storytelling que vous faites, vous, du côté de Akros et Kissenride. Storytelling, tu veux dire Bah, créer vraiment un concept, une image, une histoire derrière l'artiste. y a un concept visuel des fois. Ça ne fait pas avec tous les artistes. Après, j'irais pas dire ce qu'est un storytelling. Enfin, en tout cas, je l'ai pas encore fait moi. Mais c'est quelque chose qui pourrait, oui, arriver. De toute façon, c'est ce que font les labels. Donc, c'est quelque chose que quand on prend. Là, pour l'instant, avec Kissenride, on prend pas de. C'est que des contrats one shot pour le moment. Mais si on fait des contrats à plus long terme avec vraiment un management d'artistes, on va dire, là oui, on réfléchit vraiment à créer vraiment une identité, un univers, et donc oui, un storytelling. Mais Nathan, tu penses pas que c'est l'artiste qui doit arriver avec son storytelling, après te le proposer, après ensuite essayer de développer vraiment l'idée derrière? Bah, il y a des artistes qui y pensent pas du tout en fait. Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas conscience qu'il faut le faire. Il y en a vraiment, je pense. Mais après, dans tous les cas, il faut le faire. S'ils n'en ont pas et qu'on prend vraiment en charge un artiste, je trouve que c'est obligatoire de le faire. Parce que être musicien, c'est être artiste. Et
C'est pas totalement. Que la musique, être artiste, c'est tout. C'est quand tu fais de la musique, il faut aussi que tu associes des images avec. Donc c'est important de travailler ça aussi. Quoi. Moi, je prends les plus gros exemples vraiment obvious. Tu prends des gars comme Johnny Hallyday, par exemple. On peut s'en moquer, mais le mec s'est construit une image de fou, en fait, tu vois. Ah bah oui. Y a plein de gros Elvis Presley, Michael Jackson, des gars comme ça. Et c'est des mecs qui ont construit vraiment une image. Ah, je sais que c'est des exemples vraiment pop, etc. Mais c'est bien de s'en inspirer, vraiment. Et puis à l'époque, à l'époque où ils ont commencé, il n'y avait pas les équipes qu'ils avaient ensuite. Parce qu'il faut savoir que ces artistes comme ça, même les grands DJ aujourd'hui de notre scène, ils ont des équipes qui sont là pour faire ça du matin au soir, pour leur créer leur univers, etc. Donc, c'est ça. Donc, ça c'est clair, et je pense que si un style musical ou qui est vraiment fort là-dedans, l'identité, enfin, tu peux pas faire un, c'est dans le tout ce qui est rock, hard rock, tu peux pas faire créer un groupe sans créer d'identité derrière. Tous les artistes rock ont un look, un style machin, et effectivement dans la scène c'est obligatoire. On voit par exemple Cashmere qui faisait ses lives avec tous des trucs visuels, justement tu disais il faisait des histoires derrière sur ses panneaux LED là. Il me faisait des animations. T'as plein d'artistes qui font des trucs super cool. Marshmello, c'est le meilleur exemple en termes d'identité. Clairement. Et par contre, dans Insta, il y a beaucoup d'identité, c'est cool. Par contre, je trouve qu'il y a un manque d'originalité. C'est que dès que quelqu'un fait un concept qui n'est pas trop mal, on voit derrière 5-6 artistes qui font les mêmes déguisements, les mêmes concepts, le même trio de mecs habillés en militaire. Ouais. Il y a pas mal de copies aussi. Quoi. Ça, c'est dommage. Ouais, il y a peut-être ce côté qui manque là sur notre scène. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, les DJ qui nous regardent. Mais c'est intéressant ce que Nathan dit, parce qu'il prend l'exemple du rock, et je pense que c'est vraiment un exemple mais tellement parfait, en fait. Si on prend, il y a même des gens, des artistes dans l'EDM qui vont vers cette direction-là. Tu prends San Rollo, c'est le pur pop-rock EDM artiste, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment un bon exemple, ouais. C'est un bon exemple. Ouais. Alors, et qu'est-ce que ça pourrait être du coup, parce qu'on a divagué, les inconvénients du coup de travailler avec un label, de travailler avec vous. Les inconvénients, bah, vous pouvez dire si c'est un label qui perd un peu ta liberté artistique. Les inconvénients, ça peut être aussi parfois les délais, parce qu'un label, ça ne travaille pas toujours rapidement. Moi, ça m'arrive parfois. Oh oui. Et un artiste, c'est souvent quelqu'un d'impatient. Ça peut être un inconvénient. Il y a des délais avec les labels et le nombre d'artistes, peu importe où, qui ont une musique prête depuis un an ou deux, et elle sort. Bon, ça arrive pas non plus tous les jours, mais elle sort un an ou deux plus tard. Quoi. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que le délai, c'est le plus gros inconvénient. Je prends un exemple, ça fait depuis Hardbase 2019 que le remix pour Atmospheres est fini, et c'est dans les papiers, quoi. C'est les papiers, c'est l'administration, c'est tout ça, quoi. Donc ouais, gros délai, ouais. Et qu'est-ce qui prend, pourquoi le processus est aussi lent? Après, ça dépend des tracks. Un remix, ça peut être lent au niveau du licensing. Après, t'as tout ce qui est vocaux, vidéoclips. Les labels ont leur calendrier aussi, ils ont vraiment un agenda de release et c'est très strict. Et du coup, ouais, ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais, il y a les droits, des fois ils essaient d'avoir les droits, donc ça peut prendre du temps. Ouais, aussi ça. Nous, dans notre cas, ça peut être parce qu'à côté, bon, on n'est pas professionnel, c'est pas à temps plein, c'est pas notre métier, donc on a des trucs aussi à côté. Donc, enfin, moi, si parfois ça prend du temps, c'est plutôt dans ce sens, c'est plutôt à cause de ce genre de choses. Le mastering aussi, ça peut prendre beaucoup de temps. Si, ouais. Ouais. Alors du coup, est-ce que un label peut accepter une track non masterisée? Bah oui. Moi, j'ai envie de dire, je déteste qu'on m'envoie une démo masterisée. D'accord. Pour quelle raison? Parce que tu n'as pas. Faut savoir qu'il y a deux étapes quand un morceau est terminé pour un artiste. C'est que dans un premier temps, il a fini son morceau, il fait ce qu'on appelle le mixdown, le mixage du morceau, et ensuite vient l'étape du mastering. Tu peux pas juger réellement un mixdown quand le morceau est déjà masterisé. Surtout qu'en général, un artiste fera très mal un master sur son propre morceau, parce qu'il n'aura pas le recul nécessaire. C'est un vrai travail d'objectivité.
Et voilà, ça fausse un peu le feedback qu'on peut donner. Donc ouais. Moi, dès qu'on m'envoie une démo qui est masterisée, je demande instinctivement de m'envoyer le morceau non masterisé. Parce que c'est nous qui nous occupons derrière. C'est nous qui faisons le mastering. Et vous, ok, d'accord, vous faites le mastering, ok. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, c'est mieux de l'avoir non masterisé, effectivement, ça fausse le jugement si... Il vaut mieux avoir un morceau sans master qu'un morceau avec un master fait en deux secondes avec un maximizer ou je sais pas quoi, et un soundgoodizer. Ah, il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a clavé. Alors, Shizo nous posait la question du coup dans le chat. Du coup, tu as ta réponse. Vaut mieux pas masteriser ton morceau et l'envoyer directement comme ça au label présent ici d'ailleurs. Si tu es chaud. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu une mauvaise expérience pour vous, les représentants des labels, avec un artiste ou pour toi, Max, avec un label? Ah oui. Après, en parler, c'est plus difficile, mais oui. Ouais. Clairement, oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous aussi, les labels, ça vous est arrivé de tomber? Peut-être ça ne matche pas, en fait, avec un artiste. Alors, moi, non. Très sincèrement, j'ai une chance énorme d'être tombé sur des artistes qui sont géniaux, humainement parlant, dans un premier temps. Parce que je pense que c'est un critère qu'il ne faut pas négliger. Non, aucune mauvaise surprise ou de personne à un comportement abusif ou quoi, non. Là-dessus... C'est entre guillemets des jeunes qui en veulent quoi. Ouais. Toi Nathan, t'as pas eu de soucis même avec quand tu travaillais pour Invaders? J'ai pas entendu toute ta question, désolé. Est-ce que t'as eu une mauvaise expérience avec un artiste une fois? Ah, quand je travaillais avec un artiste, une mauvaise expérience? Ouais. Non. Non, pas spécialement. Des fois, il y a des artistes qui étaient un peu bizarres, mais bon. Plus dans leur façon d'être qu'autre chose, mais ouais. Dans l'expérience, non. Non. Et du coup, toi, Max, tu as eu une mauvaise expérience. Est-ce que tu veux nous en dire plus, sans citer de nom forcément ou quoi, mais... Je cherche les mots, en fait. J'essaye de... Parce que ça peut être obvious, en fait, tu vois. Ouais, le manque d'évolution, on va dire. Le manque de confiance, je dirais. Le manque de confiance, ouais. C'est le mot. Ils n'ont pas eu confiance en toi ou toi, tu n'as pas réussi? Non, ils n'ont pas eu confiance en ce que je faisais. Du coup, ça n'a pas match, quoi. À partir de là, la relation est un peu faussée, en fait. Ça se fracture un peu, quoi. Ouais. Et maintenant, ils peuvent avoir la mort, quoi. C'est ça. Ils peuvent avoir le talent qu'ils ont laissé filer. Mais du coup, il y a vraiment une relation de confiance entre le label et l'artiste. Je pense que vous êtes tous unanimes là-dessus, non? Ah, c'est oui. Très, très important. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Absolument. En termes, j'ai envie de dire, comment ça se passe? Est-ce que vous rencontrez en personne les artistes? Bon, là, avec le Covid et tout, c'était un peu compliqué, mais est-ce que vous les rencontrez personnellement ou vous avez un chat avec eux? Comment ça se passe? Alors, moi, pour ma part, les rencontrer, c'est compliqué. La plupart sont le bout du monde. Ouais, oui, bah oui, putain. Donc, du coup, non. Tu leur payes le billet d'avion, gros, c'est bon. Ouais, ouais, avec leur royalties, du coup. C'est ça. Non, ouais, non, je parle avec eux, c'est du contact mail, majoritairement, dans un premier temps. Ça reste quand même relativement formel, hein, les premiers contacts. Déjà, voir aussi comment le bonhomme se présente au label, hein, mais ça, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais oui, je parle avec les gens par email. Après, ils intègrent, parce qu'on a un groupe WhatsApp et Discord vraiment lié avec le label et les artistes pour qu'ils puissent déconner ensemble, se partager les morceaux, etc. Mm-hmm. Enfin voilà, côté un peu convivial. Et quand l'artiste est accepté sur le label, qui va avoir sa première release, là, il accède à ce groupe. Et c'est là aussi que tout se fait. Je ne vais pas aller le voir en tête à tête, on va se payer un déjeuner, non. Non. D'accord, ok. Et toi, Nathan, du coup, ça se passe comment? Pareil, même principe? À la base, moi, je communique avec les artistes plutôt sur Messenger, mais pas en groupe. Mais là, justement, je suis en train de mettre ça en place, de commencer à créer un serveur Discord pour le label où j'ai commencé à inviter les artistes et je suis en train de développer ça. Et pour qu'on se réunisse et
faire un label assez soudé quand même, et pas chacun dans son coin, ouais. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Bah, comme ça, ils se portent tous, chacun peut influencer positivement les autres, etc. Non, c'est plus, ouais, puis c'est plus sympa quand tu t'entends bien avec tout le monde dans le label aussi, les artistes aussi, après, ils ont peut-être plus envie de rester aussi, et non, mais c'est plus cool. Ça, ouais, je l'ai remarqué. Ouais. Parce qu'il y a des artistes qu'on essaye, entre guillemets, de mettre dehors pour qu'ils aillent taper plus haut, et qui ne veulent pas partir. Parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance, je pense, parce que vous êtes un peu une petite famille, etc. Donc, vous aidez tous, etc. Donc, c'est un peu peut-être compliqué de partir pour aller voir ailleurs, quoi. Oui, c'est ça. Et après, peut-être aussi, eux ne se sentent pas prêts, c'est tout à fait légitime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Across offre apéro tous les vendredis soirs. Donc, bah oui, alcool gratuit, les gens restent. Hein. Ah, exactement. C'est pour ça qu'il y a des liens très, très. Ah, bah, je suis malin, moi, pour dissuader les gens. C'est ça. D'accord. Et du coup, toi, Max, est-ce que tu as des contacts avec les gens, les personnes du label, les autres artistes? Ah, ouais. Pas du tout. Ouais. Ah, non, ouais, totalement, ouais. Moi, j'ai déjà été en meeting avec eux, bon, une seule fois, parce qu'après, il y a eu le Covid, voilà. Ouais. Après, les artistes, ouais, c'est, je pense que c'est logique, en fait, parce que nous, on a un truc chez Direld, en plus, c'est qu'à chaque release, en fait, nous, on partage la story Insta de la release, en fait, de toutes les releases qui se passent sur Direld. Du coup, ça renforce un peu la connexion. Et voilà, on se parle entre nous. Puis la plupart des gens, je les connaissais déjà avant, donc voilà. Mais c'est important. C'est important d'avoir une relation avec les managers, la team et avec les artistes, ouais. C'est vraiment une famille, c'est trop mignon. C'est ça. Alors, du coup, est-ce que vous auriez... qu'est-ce que je voulais dire, putain, j'ai perdu le fil de ma pensée. Est-ce que vous auriez un conseil quel conseil vous donneriez à un DJ qui veut se faire signer chez un label, on va dire pour l'instant français, chez Across ou chez Kiss & Ride, qu'est-ce qu'il devrait faire? Alors là, j'ai des choses à dire. Ah, bah vas-y, je te sens bien lancé. Non, voilà. En fait, il y a un problème en ce moment qui, je pense, est générationnel dans le sens où nous, il y a 10 ans, c'était différent. C'est que maintenant, les compositeurs, beaucoup, je ne fais pas de majorité, hein, mais beaucoup de compositeurs ont appris à composer sur YouTube, littéralement. Il y a tellement de tutos que beaucoup ont appris comme ça, ne comprennent pas forcément ce qu'ils font et sont trop récents dans la composition. Et donc, n'ont pas le recul, en fait, sur eux. Et c'est beaucoup de ces gens-là, en fait, envoient des démos au label, que ce soit Kiss & Ride, on a même, voilà. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on reçoit des démos parfois. Je reçois une démo à Cross, c'est Kiss & Ride en copie. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Mort, d'accord. Voilà, enfin, voilà, il y a certains compositeurs qui envoient juste un lien. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. Le lien, c'est tout. Et démarre-toi avec ça. Et ça, déjà, c'est un problème. C'est savoir communiquer avec le label. Il faut apprendre. Mais ça, c'est plus une règle de vie, quoi. Dire bonjour, on l'apprend quand on a 3 ans, non? Je sais pas. Non, je n'irai pas jusqu'à dénigrer à ce point, mais c'est, voilà, en fait, il faut penser qu'on écrit, même si on ne l'est pas, comme si on écrivait à une entreprise pour un entretien. Bah, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, ouais. Donc, il faut savoir aussi se vendre, être propre, formel dans ses mots utilisés, etc. Mm-hmm. Quoi. Ça, parce que c'est le premier contact. Et rien qu'avec ça, ça nous donne un avis en tant que label. Très honnêtement, quelqu'un qui envoie juste un lien, je n'écoute pas. Et ça vous donne déjà une première impression de la personne. Voilà. Et du coup, j'ai oublié la question de base. Je vais commencer à divaguer. Des donc, conseils. Le conseil que tu donnerais. Voilà. Donc, le conseil premier, c'est quand on rédige un mail, c'est on fait une présentation, on se présente déjà soi, humainement, avant de parler de musique. Mmh. Après, on décrit sa musique et on envoie ses liens. Et puis, on dit bonjour, au revoir. Quoi. Bonjour, au revoir, merci, j'attends votre retour. Et là, déjà, moi, ça me donne grave envie d'écouter. Et en fait, 100% des cas que j'ai reçu ces mails, c'est passé, quoi. Littéralement. Ouais. Donc, c'est ça, après, le deuxième conseil pour intégrer un label, c'est avoir du recul sur sa musique. Waouh ! Incroyable ce qui se passe sur l'écran. Voilà, ça brille partout dans le chat. Merci, Frenchie.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent que parce que c'est dans le monde de la musique, c'est plus cool ou il faut pas forcément être formel, mais c'est pas parce qu'on se tutoie ou quoi que ce soit qu'il faut en oublier la base, quoi. Et je pense que c'est pas mal de le repréciser. Il y a du coup Expander qui nous dit qu'il faut parler aussi de son projet à moyen-long terme lorsqu'on envoie une démo à un gros label pour que le label ne signe pas de musique mais un projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Valentin du coup? Absolument. Ouais. 100%. Nous, un label à l'échelle d'Acros, c'est pas encore trop grave parce qu'on se considère comme un label pour prendre de l'expérience. Mais c'est vrai que quand on va taper chez Scantrax, Dirty Works ou Loose Control, faut montrer qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Tu auras plus de chances à présenter un plan sur, on va dire, 3 ans, 3 à 5 ans, qui soit le plus vendeur possible. Et après, il faut que la musique suit derrière, quoi. Et moi, le conseil que j'ai, ouais, c'est te présenter, montrer le plan que tu as et avoir minimum 3 tracks au lieu d'une track. Parce que je pense qu'un label ne peut pas vraiment se définir sur toi avec une seule track, en fait. 3 tracks, ça serait vraiment super, ouais. C'est comme ça que je le vois. Il a Donc pour résumer, 3 tracks minimum et un plan à moyen-long terme, voire 5 ans. C'est Mais ça, ça. encore une fois, ouais, ça c'est vrai, mais ça dépend encore une fois des labels. Hein. Si c'est Oui, un bien label sûr. plus gros, Pour un bien gros, on va dire. Ça, c'était plus pour un gros pour label, un ouais. gros label. Ça c'est clair. Et je reviens à ce que tu as dit, Alex, sur les mecs qui envoient des mails avec Ouais. juste le lien et tout. Moi, une fois, j'ai carrément un mec qui m'a mis le lien dans le titre du mail et rien dans le corps du mail. Ah lui, il y a un level genius là. Vraiment, là, le niveau de flemme était assez élevé, quoi. Et Ah ouais, on a malheureusement. c'est clair que c'est mieux de se présenter et même de. Ça, c'est pas obligatoire, mais ce qu'on disait, même s'il y a un petit press kit, un logo et tout, ça montre C'est que un plus, ouais. l'artiste il est motivé et plus fiable aussi Et un sur truc la que durée, je peux peut-être. conseiller en plus, faites une présentation vidéo. Au moins le label, il vous voit directement. Il peut avoir vraiment cette impression directe. Après, voilà, vous présentez votre projet en vidéo et tout. Ça peut être vraiment intéressant pour le label. Jamais vu Ah, ça, mais Expander, ouais, il a c'est. fait. Ah, excuse-moi, Nathan. J'ai Je vu dis que j'avais jamais Expander eu qui de a fait. vidéo. Excuse. Je me tais. Vas-y, vas-y. Vas-y, Alex. Non, j'ai vu que Expander a fait une remarque très pertinente, c'est envoyer une track qui est finie. S'il vous Ouais, c'est plaît. vrai. C'est C'est mieux, ouais. vrai. C'est mieux, mais si je vois. Enfin, je crache pas sur une track pas finie si elle a vraiment un potentiel aussi, quoi. Mais oui, c'est mieux. Alors, on avait une question dans le chat. Est-ce que les gros noms d'un label prennent le temps de donner des feedbacks pour les nouveaux arrivants? Oui, non. Je pense que Est-ce Maxence sera plus à que même d'en parler que Maxence, nous. ouais. Est-ce que C'est tu as eu du compliqué. feedback ou pas? C'est compliqué. Les feedbacks que j'ai eus, c'est des artistes que je connaissais déjà avant, en fait. Je peux parler de Atmospheres, Ouais, à ce Damien moment-là. Cannon, Adrenalize. C'est des gars, je communique assez souvent avec eux. Après, label, non, c'est pas. Je pense pas que c'est leur priorité d'ailleurs de faire ça. Après, peut-être qu'ils checkent et voilà. Mais j'ai. Non, je suis totalement ignorant à ce sujet-là. Ok. On n'aura pas de réponse à donner à cette question, du coup. Ah, non, c'est dommage. C'est dommage. Si quelqu'un a signé chez un gros label dans le chat, hein, n'hésitez Je pas pense que à répondre. c'est mieux en tant qu'artiste d'aller vers l'artiste directement, en fait. C'est beaucoup mieux que de recevoir le mail promo. Et voilà, c'est moins personnel, on va dire. Mais du coup, enfin, l'artiste, il reçoit enfin, on va dire une centaine de DM par jour. Qu'est-ce qui va s'attarder sur ton morceau, quoi? Bah, le fait que tu sois signé en label, ça réveille, ça le Ouais, ça réveille un peu, va. on va dire, tu vois. Une track chez Loose Control, ça va faire un impact chez eux, tu vois. C'est sûr, ils vont checker. C'est clair. Par exemple. Ok. Est-ce que pour certains d'entre vous, du coup, il y a eu cette fameuse période du corona. D'ailleurs, peut-être qu'on va se prendre une deuxième vague assez dans un peu de temps. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler, du coup? Non, Toi, pas du non, tout. Alex?
Non, Nathan non plus. Non, moi je travaille, je fais tout depuis chez moi. Enfin, c'est un label digital, enfin, c'est en ligne, donc ça n'a aucun impact. Et au contraire, si, ça a un impact positif, puisque les artistes, ils se focusent plus sur la musique en ce moment que... Oui, voilà, ça a été un impact plutôt positif pour nous. Vous avez reçu plus de démos ? Ah oh, oui. Ouais. Ah ouais, c'était chaud. Mais il y a aussi un impact négatif, c'est que du coup, comme il n'y a pas de festival, il y a moins de chances que les morceaux, quand on envoie en promo, bah, du coup, ils ne sont pas joués en soirée, quoi que ce soit. Donc, ça, il y a les deux, quoi. Effectivement. Et toi, du coup, Max, est-ce que ça a changé ta manière de travailler ? Moi, c'est un peu marrant comme commentaire, mais en fait, ça fait 4 ans que je suis confiné, moi, en fait. C'est ce que j'allais dire. La musique. Du coup, je pense que les producteurs se reconnaîtront là-dedans, mais c'est... Ouais. Ah ouais, en fait, je sors pas de chez moi, en fait, depuis 4 ans, et je fais de la musique tout le temps, en fait. Du coup, non, ça m'a pas vraiment impacté. Mis à part pour les bookings, bon, là, c'est une autre histoire, quoi. Effectivement. D'accord. Bon, parlons un petit peu argent, budget, tout ça, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Et c'est quand même le nerf de la guerre, en tout cas. Enfin, un artiste, il est là pour faire de la musique, mais il est là aussi pour gagner sa vie. Si on parle donc niveau argent, comment ça se passe au niveau d'un label ? Moi, comment vous gardez ? Je ne donne rien. J'achète des kebabs. Ah, c'est pour ça que t'es riche. Ah, oui. Chez Akros, tu te fais beaucoup d'argent, ouais. Donc, du coup, comment ça se passe ? Kissen Ride aussi, d'ailleurs. Qui veut commencer, du coup ? Je ne vous ai pas montré ma lambeau. La troisième lambeau. Hein. Il y en a cassé deux avant. Vas-y, Alex. Alors, comment ça se passe financièrement ? Alors, je dois décrire. Tu veux que je décrive un petit peu le... Je vais brancher mon PC, j'arrive. Mais je t'écoute, hein, vas-y. Financièrement, en fait, un artiste qui signe chez un label reçoit un pourcentage donné du morceau, ce qu'on appelle des royalties. Mm-hmm. Ouais. Alors, le pourcentage se négocie, hein. Ça peut être 10%, comme 50%, comme 60%. Ça dépend du label et ça dépend de toi comment tu sais négocier. Mm-hmm. C'est ça, en fait, le seul revenu d'un label, dans un premier temps, c'est ça, clairement. C'est la vente, c'est le streaming des morceaux. Et la monétisation YouTube et ce genre de choses. Ok, d'accord. Donc les royalties, d'accord, très bien. Donc c'est ça. C'est idem pour toi, Nathan ? Ouais, c'est pareil. Pourcentage, il peut varier. La question, c'était vraiment les revenus pour les artistes, c'était ça ? Pour le label. Ah, pour le label. Ouais, bah, c'est ça, les streaming, les ventes. Effectivement, on donne une partie aux artistes. Nous, on donne aussi une partie à celui qui fait le master. Mmh. Et après, voilà, nous plus tard on pense faire du merchandising, tout ça, donc il y aura cette source là, c'est de revenus. Mais voilà, il y a des boutiques après qui peuvent rentrer en compte. C'est ça. Ok, très bien, parce que c'est comme ça, on sait comment ça se passe. Au niveau de au niveau du recrutement d'artistes. C'est un peu ma question. Du coup, vous avez une démo qui arrive, est-ce que vous scrutez. Est-ce que vous scrutez les réseaux sociaux ? C'est évident. Est-ce que c'est une part importante ? Est-ce que c'est un critère important, la communauté d'un artiste ? Ça dépend de label. J'ai envie de dire, les gros labels néerlandais, c'est absolument important. Et ils iront checker, ils iront regarder le potentiel d'audience, en fait, tout simplement. Mmh. Et aussi l'image que l'artiste peut donner, mais ça, Maxence en parlera mieux que moi. Mais nous, à notre échelle, enfin moi personnellement, comment je fonctionne, je regarde pas le réseau dans un premier temps. Moi, je regarde vraiment que la musique parce que je sais que je cible entre guillemets des artistes qui n'ont pas encore d'audience. Ouais. Pour la majorité. Mmh. Pareil. Et au contraire, j'aime bien trouver quelqu'un qui a vraiment rien, vraiment. Qui c'est ça, ouais. Vraiment à zéro. C'est intéressant parce qu'on peut vraiment essayer de l'aider à développer quelque chose et le voir évoluer. Et c'est aussi notre objectif, donc ça je trouve ça cool. Après, bien sûr, si on a un artiste avec une bonne communauté derrière, c'est bien parce que ça... Là, nous, on est au stade où on vient de commencer le label, donc c'est aussi les artistes qui nous font notre com avant nous de pouvoir vraiment efficacement leur faire leur com. Tu vois. Mmh. Et chez Invaders, ça se passait comment, du coup ? C'était pareil, de toute façon, Invaders, c'était défini comme un label tremplin. Parce qu'il y avait des artistes qui ont été là-bas avant d'être chez... là, je ne sais pas, Hector de Cerzo, mais il y avait aussi Refusion. Il y avait aussi l'Argentin, comment il s'appelle ? J'ai oublié. J'étais pas sur Shock.
Noise Shock, voilà. Donc c'était vraiment un petit label tremplin. Souvent ça cherchait des artistes qui sortaient de nulle part. Voilà. D'accord. Du coup, on a The Frenchie qui nous dit « Le label fait-il la com de la track ou c'est à l'artiste de faire sa promo ?» On en débattait avec Maxence l'autre jour. Alors, non, c'est l'artiste. Hein. L'artiste de A à Z. Hein. Pour moi, quand tu fais de la musique, c'est que tu as un plan derrière. C'est que tu as fait cette musique-là pour quelque chose. Et visuellement, tu veux le représenter aussi sur les réseaux sociaux si tu veux le représenter. Mm-hmm. L'un des meilleurs exemples, désolé, je vais prendre mon exemple directement, c'est Up in the Clouds où j'ai vraiment fait une vidéo présentation, etc. Tu vois, et ça a grave aidé pour la com de la track. Hein. Donc, je pense que le truc, c'est que les labels vont faire une com très basique en fait. Ils vont share l'artwork sur l'history puis basta quoi. C'est ça. Alors que l'artiste peut vraiment amener sa vision et son truc. Son univers et ses médias quoi. Je pense que ça a été un gros facteur pourquoi Beyoncef ont pris la décision de signer Up in the Clouds chez Loose Control, parce qu'il y avait une com de fou derrière quoi. Parce qu'ils savaient ce dont tu étais capable. Ouais, puis le fait comment j'ai présenté le truc. Et t'as présenté le truc, t'as pitché le truc à moi. Ah ben j'avais le plan de A à Z de toute façon donc. Après, moi, j'ai envoyé avec la track, etc. Et après, on a pris la décision finale ensemble. En clair, tu leur as vendu le projet clé en main, ils n'avaient plus qu'à signer. C'est ça, ils n'avaient rien à faire. D'accord, ok. D'accord, l'artiste, il va faire la com. Enfin, pour moi, c'est les deux, ça c'est sûr. Mais le label, il a plus un rôle de com interne à la scène. Plutôt lui qui va aller communiquer auprès des professionnels, mm-hmm. des autres artistes, des orgas et tout. C'est plus son job. Bah, il va faire aussi une communication au public, mais ça, c'est plus l'artiste, son rôle. Ça. Ouais. Ça va être le label, il va plus agir, ouais, comme tu dis, en com interne, dans le milieu, avec c'est les ça. Gens qui connaissent, les professionnels, etc. Voilà. Les exactement, agences, ouais. Des promos mails et tout, voilà, c'est ça. Okay. En fait, l'artiste, il faut qu'il voit le label comme une seconde plateforme pour lui, en fait. Sa première plateforme, c'est lui, en fait. C'est ses réseaux, mmh. c'est son audience, c'est mmh. sa communauté. Mmh. Ça, il faut vraiment, vraiment que les artistes, ils se mettent ça dans la tête. Ceux qui commencent, surtout. C'est la priorité, c'est vous, surtout. C'est vous. C'est pas le label. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se disent bah, c'est le label qui va se charger de ma promo et de mon marketing. Quoi. Ben moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire de storytelling, etc. J'avais cette vision-là quand j'étais chez Xbone. Hein. C'était c'est eux qui font ma com, moi j'envoie des tracks et c'est tout. Quoi. Mais c'est ça, c'est ça reste du marketing de toute façon, hein, parce qu'on essaye de toucher des playlists Spotify, de machin. C'est juste que ouais. ça se voit pas, c'est plus invisible, mais mm-hmm. on fait quand même le marketing finalement. Bien sûr. En fait, les gens ont eu l'image. Au début des grands labels hardstyle, c'est-à-dire là on remonte il y a 15 ans en arrière quand Skintrax Fusion démarrait, mm-hmm. c'était des entreprises qui se créaient et c'est eux qui dirigeaient la scène. Donc forcément c'est eux qui dictaient les lois et qui mettaient les artistes qu'ils voulaient en avant auprès de tout le monde, que ce soit du mec qui écoute la musique, aux organisations, etc. Sauf que maintenant avec l'avènement, avec la démocratisation de dingue d'Internet, c'est l'inverse qui s'est créé. Maintenant c'est l'artiste qui gère son image et le label sert de support, comme Maxence disait. Ouais. Mmh. Exactement. Donc, The Frenchie fait une question, mais aussi une remarque très pertinente. Le DJ, il est très très bon en son, mais il n'est pas du tout bon en réseaux sociaux, en com, en marketing, ça veut dire que c'est mort pour lui, si ça veut faire toute sa com. Soit il a énormément de chance et il tombe sur la bonne personne, il s'entourera de la bonne personne qui le conseillera ou qui l'aidera à faire sa com ou alors qui le fera connaître à d'autres gens. Soit, ouais, effectivement, ça peut être compliqué. Moi, je dis non parce qu'aujourd'hui, tu as des boîtes de marketing qui font des trucs, mais c'est fou, hein, vraiment. Mm-hmm. Et si tu es mauvais en com, j'irais plutôt vers cette direction-là, vers une boîte de marketing, ouais. C'est une option, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est une option. C'est une option. Non, et puis des fois, c'est pas de la faute de l'artiste. On sait que par exemple, Facebook ou Instagram, ils ont baissé leur algo, enfin le reach des publications. Il y a beaucoup moins de gens qui voient ce que tu publies et tout. Ils trafiquent ça tout le temps pour que tu doives mettre de l'argent et payer machin. Donc des fois, c'est pas de leur faute aussi. Bah là, surtout en ce moment, hein, c'est vraiment horrible hein, le reach. Hein. Ouais. C'est clair. Ouais.
Tac, je regardais les réactions du coup dans le s'entourer d'une team, hein, c'est toujours mieux. Est-ce que toi, Max, tu t'es entouré de certaines personnes pour t'aider à ta promo, ton marketing, tout ça? Non, pas vraiment, non. 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 Pas sur ce sujet-là, parce que c'est ultra personnel, tu vois. Donc, après, des conseils à mes meilleurs potes, comme Jerry, Skeptic, des gens comme ça. Mais pas plus que ça, non. Pas plus que ça. D'accord. Et toi, Alex? En termes de, du coup, de DJ, de ce côté-là? Moi, déjà, je suis un feignant de la communication pour mon projet personnel. Voilà. Moi, je suis un mauvais exemple. J'ai été un feignant à ce sujet. Je n'ai pas développé le côté com. Donc, je suis pas le mieux placé pour en parler. Moi, là, je privilégie à l'heure actuelle le label que moi. Ouais. Ouais. Alors, on nous demande du coup dans le chat, est-ce que le label peut donner des contacts au DJ s'il sent du potentiel? Oui. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. En gros, est-ce qu'il va donner des contacts justement, tu vois, de boîtes de marketing ou quoi, pour l'aider à vraiment pousser son projet, quoi, s'il sent que la musique derrière est bonne? Là, je peux dire que oui, parce que nous, on donne des contacts vers des mecs qui vont lui faire du design ou des clips ou ce genre de choses, en fait. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Donc là, oui, on peut aider en tant que label. On peut donner des contacts. Ouais. Mm-hmm. Peut-être des graphistes ou ouais, des CM, comme dit PL. Mm-hmm. D'accord. Et du coup, toi, Max, en termes de contrat, du coup, vous, chez Akros et chez Kiss and Ride, c'est plutôt des contrats one-shot, comme vous nous l'avez dit. Toi, Max, tu as fait quoi comme type de contrat avec les labels chez qui tu étais? J'ai eu vraiment tout type de contrat. J'ai eu sur un certain nombre d'années. Mm-hmm. J'ai eu des contrats one-shot. Et j'ai eu des là j'ai un contrat un montant de track en fait que je dois donner au label. Ah d'accord, ok. Ouais. Et c'est sur une année par exemple sur une année tu dois leur sortir 5 tracks ou 20 tracks, trucs comme ça. Il y a pas vraiment de temps. D'accord. Là je peux être totalement transparent par rapport à ça. Avec Bioncef, je dois leur donner 8 tracks. Et j'ai signé en février l'année dernière. Et là, j'en suis déjà à 5 avec eux. Donc, plus que 3. Et puis après, ça dépend d'eux s'ils veulent étendre le contrat ou pas. D'accord. OK. Qui gère la partie vidéo d'un artiste? L'artiste ou le label? C'est quoi que tu entends par vidéo, du coup? J'imagine que c'est les clips. D'accord. C'est une question dans le chat. Ça peut être l'un ou l'autre, en fait. Il n'y a pas de règle absolue. Nous, on peut investir dans des vidéoclips comme l'artiste peut arriver avec un vidéoclip, en fait. Ou l'investir lui-même. Ouais. Je pense que si tu as un contrat d'artiste, c'est forcément le label, ça c'est sûr. Parce qu'ils prend tout en charge. Après, si c'est en one-shot, l'artiste peut poser un truc, ouais. Il y a ce critère aussi. Mais quoi qu'il en soit, un label offrira quand même un package pour les réseaux sociaux, que ce soit les covers, des teasers, etc., vidéo, ouais. pour la oui, sortie. Ça, oui. Ça, c'est le strict minimum. Ça, oui. Qui a la propriété du master, du produit final? Donc. Oh, c'est compliqué, ça, comme question. C'est le label, on a les droits d'exploitation, on a les droits de vendre le morceau, il n'y a que nous. Après, l'artiste, il garde ses droits d'auteur. Bon, ça, c'est des trucs vachement compliqués. Hein. Même nous, on ne comprend pas toujours tout. nous, on a un droit pour vendre. Et il n'y a que nous, sur un délai, généralement, moi, je mets 15 ou 20 ans, il n'y a que Kiss & Ride qui peut vendre et exploiter le morceau à but commercial. En fait. C'est ça. Il a bien résumé la chose, en fait. C'est ça. Ouais. OK. Alors... Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. S'il y a encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. On est là pour ça. Du coup, je pense qu'on va résumer à peu près les conseils du coup, que vous nous avez donnés. Ça sera vraiment d'envoyer pour essayer d'atteindre les gros labels hollandais, belges, etc. C'est de faire un package de 3 tracks, comme tu nous as dit,
Max, en racontant ton histoire et en se projetant à l'avenir sur 3 à 5 ans. C'est bien ça. Ouais. Et est-ce que vous aviez d'autres conseils à apporter à nos DJ qui aimeraient se faire signer dans un label, ou peut-être des erreurs à ne pas commettre aussi Alors, les erreurs à ne pas commettre, bah, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le premier contact est super important. Mmh. Donc, le premier contact doit être relativement carré et bien formulé pour déjà susciter l'intérêt du label. C'est ça, la première erreur à ne pas faire. Moi, je dirais même, là, encore avant ça, c'est déjà avoir un recul suffisant sur sa musique. Se dire, est-ce que déjà, elle a le niveau, est-ce qu'elle a la qualité pour sortir sur un label ? Mmh. Parce que des fois, en tant qu'artiste, on n'est pas forcément objectif sur ce que l'on fait. Et il faut savoir, ça passe déjà par nous et ensuite par notre entourage. Il ne faut pas hésiter à faire écouter à ses proches, à ses amis, bien à sa sûr. Famille. Et à voir leur ressenti. Parce que même quelqu'un qui ne connaît rien techniquement, il saura déceler une atmosphère dans une chanson. Mmh. Ou le thème qui est exploité, etc. Donc déjà là, c'est des signaux précurseurs. Puis demander aux artistes aussi. Exactement. Ouais. Après, pour le point un peu plus technique, demander aux artistes ce qui peut être vu ou pas, ou si c'est bien, ou tout ça. Quoi. Mmh. Et après, voilà le premier contact. Puis si tout se passe bien, en général, bah, après, ça fait son chemin. Quoi. Nathan, toi, tu as des conseils à ajouter ou tout a été dit? Qu'on a peut-être fait une erreur à pas faire, qu'on a peut-être pas dit, mais c'est rarement le cas, mais ça arrive, c'est de pas penser à l'argent aussi dès le début. Généralement, les artistes, généralement, ils le savent, mais t'en as certains des fois, voilà, qui. C'est vrai qu'au début, on fait pas ça déjà pour l'argent, et au final, ça ramène pas tant d'argent que ça aussi. Donc, faut vraiment se concentrer sur la musique et l'exposition plus que l'argent. Ok. Vas-y. De rajouter l'erreur, mais là c'est plus d'un point de vue personnel pour l'artiste, c'est de ne pas faire l'erreur de dire je plaque tout et je vais faire de la musique, je vais vivre de la musique. Ça, c'est beaucoup trop dangereux. Non mais clairement, il y en a beaucoup qui abandonnent tout, qui abandonnent leurs études ou leur taf ou quoi pour mm-hmm. se dire bah, je vais vivre de la musique. Mais c'est un mec sur je sais pas combien qui réussit finalement à en vivre. Mm-hmm. Mais Max, c'est pas toi, c'est pas ce que t'as fait, toi. T'as pas arrêté tout et t'es mis à la production. Je suis mauvais exemple, ouais, c'est clair. Il me semblait. Non, mais j'avais déjà fini mes études et c'était vraiment, j'avais arrêté un travail en intérim, donc c'était pas non plus. Voilà. Il a pas pris des risques inconsidérés. C'était pas un risque énorme pour moi. J'avais pas un loyer à payer. Je vis encore chez mes parents, etc. Qui me soutiennent parfaitement là-dessus. Et, mm-hmm. Voilà quoi. Mais en même temps, je sais que, enfin, vous le savez tous, il faut aussi faire des sacrifices. Bien sûr, il ne faut pas non plus se mettre dans la merde, mais il y a aussi mmh. des sacrifices à faire, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, toi, t'as pas eu envie à un moment donné, Max, de partir et de venir ici en Hollande pour évoluer peut-être plus rapidement ou avoir les contacts, etc. C'est en projet actuellement. Mmh. Je compte après si. Le corona le permet, hein, c'est toujours le doute qu'on a en ce moment. Être un été complet en Hollande l'année prochaine pour vraiment faire ses marques, développer le réseau, le networking, etc. Mm-hmm. Et voir ce que ça donne, quoi. Ah, ça peut être pas mal. Ouais. Tu me diras si tu viens, parce que moi, j'habite ici, donc ça peut être mm-hmm. sympa. Mais effectivement, le networking, c'est, on l'avait dit tout à l'heure, mais c'est hyper important ici, hein. C'est vraiment abusé et ça va hyper vite. Donc, C'est ce que Valentin et Expander disaient dans le chat. Ouais. Ça peut aller très très vite, hein, le networking. C'est abusé. Parce qu'un tel connaît un tel. Et le monde de la musique, c'est un monde assez vaste, mais aussi très petit où tout le monde se connaît. Et comme vous disiez tout à l'heure, les labels parlent entre eux, les artistes parlent entre eux. Les agents, etc. Enfin, bref, c'est vraiment un monde au final où tout le monde se connaît. Il faut faire notamment d'autant plus attention à son image et à ce qu'on peut aussi raconter ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ne jamais cracher son venin en public. C'est pour ça aussi que tu es favorisé quand tu es hollandais, parce que quand tu habites aux Pays-Bas, ton voisin c'est peut-être Wallstyle, dans ta classe tu as peut-être 10 producteurs. C'est clair que ça c'est important. C'est clair. Et pour autant, la musique n'est pas si bonne que ça. Hein. Ça,
C'est un gros sujet, je sais bien, mais Ouais. c'est un gros sujet. C'est pas parce que oui, t'es hollandais que tu vas nous sortir un truc de ouf, Non, mais ça c'est sûr. petit à petit. Exactement. Mais ça aide beaucoup que le mec qui est perdu au fin fond de je sais pas d'où, tout seul dans son coin. Mais avec Internet, c'est moins une excuse, mais tu progresses toujours plus vite quand tu vois les gens réels, quand tu es avec eux. Oh, y a pas à chier là-dessus, hein, c'est clair. C'est clair. Mais bon, après, petit à petit, on voit que le hardstyle monte, les orgas sont de plus en plus présentes en France, on a de plus en plus d'events, bon, hors Covid, hein, mais bon, on compte aussi là-dessus pour la communauté et que ça fasse grandir aussi nos artistes français. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus d'ailleurs d'artistes français. Beaucoup Tu plus. trouves que tu trouves qu'il en manque des artistes hors-site? Ah ouais, absolument. Ouais. Absolument. Quand je vois que justement Akros a que deux artistes français, ça me désole quoi. Vraiment. Eh oui. Eh oui. Peut-être parce Non, qu'ils mais n'ont en pas fait. connaissance Après, des opportunités. je crache pas du tout sur les Français, hein, mais je pense que je sais pas, en fait, je pense qu'il en manque, en fait, tout simplement. Ou alors En ils se fait, montrent pas, ou je sais pas. forcément, il y en a moins en France parce qu'on a un pays qui culturellement est moins porté vers ce type de musique. Mais il y en a. On l'a découvert récemment avec le serveur Discord que l'on a fondé, donc moi, Nathan et donc PL de Sharpulse, qui Ah, s'appelle Pick Mac. Pimp My Kick, qui est justement destiné aux producteurs français et seulement francophones. Il y en a énormément, je n'en connaissais pas 90%. En fait, la majorité ne font pas parler d'eux, tout simplement. Ils Donc sont c'est pour ça qu'on cachés, les ouais. connaît pas. Ils se Et cachent. d'ailleurs, oui, n'hésitez pas à rejoindre s'il y a des producteurs, là, n'hésitez pas à rejoindre Ah oui. ce serveur-là, on va bientôt, je pense, le faire vivre, organiser des tutos, des trucs, donc des concours peut-être. Donc, Oui, puis il y a plein de bons artistes aussi qui peuvent vous aiguiller. Bah, Maxence est souvent présent, il y a Expander qui est là. Donc voilà, il y a quand même des gens qui ont réussi, qui ont déjà prouvé et qui connaissent la musique, quoi. Qui sont à même de donner des bons feedbacks. c'est clair. Allez rejoindre ce réseau et c'est comme ça que vous grandirez et que vous améliorez surtout pour tous les DJ qui nous regardent et qui ont souvent besoin de feedback de professionnels et ça c'est fait pour donc c'est génial. N'hésitez pas non plus à suivre ben Maxence donc Sense sur les réseaux, Akros, Kissenhigh, tout ça, Devotion pour faire grandir tout ce petit monde. Plus on sera nombreux, plus peut-être qu'un jour on pourra concurrencer la Hollande, je ne sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas à lâcher des petits likes, etc. Ça aide toujours les artistes, même pour Masterclass DJ, si vous voulez, si vous êtes gentil. Évidemment, il faut les suivre. C'est clair. Et du coup, bah, si on n'a pas d'autres questions, si les gars, vous n'avez rien d'autre à ajouter, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si jamais vous avez d'autres questions ou quoi pour les gens du chat, n'hésitez pas à peut-être vous contacter en perso. Je pense que vous êtes ouvert à Bien la sûr. discussion. Oui. Et puis, ben, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé. Merci d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir donné tous ces tips. Merci aux gens du chat d'avoir participé. Vous avez été nombreux, c'est génial. Et voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous, ouais. C'était cool, merci. Je vous remercie, passez une bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas à suivre Impulse, Masterclass DJ et courage à tout le monde. Soyez forts. Et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, salut. Bye bye. Ciao.